Alors pour nous, c'est un moment important, c'est des mineurs qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, qui ont donc eu des difficultés avec la loi, et qui viennent aujourd'hui dans un travail de réparation, accompagner une commémoration historique auquel vous avez pu assister. Et pour nous, c'est important parce que c'est la transmission de l'histoire de notre pays, ça fait citoyenneté, ça fait nation, et c'est extrêmement important dans l'éducation que nous essayons de donner en complément à ces mineurs dont nous avons la charge. Écoutez, j'ai participé à l'instant à une cérémonie patriotique réunissant à la fois le descendant de Charles Caillé, tombé au combat en juin 1918 en ces lieux, et puis des jeunes sous protection judiciaire, confiés à la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre d'un partenariat entre l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et la protection judiciaire de la jeunesse. Et je trouve que c'est un symbole très fort que de retrouver ces jeunes qui ont pu se mettre même un peu à l'écart de la société, rejoindre en quelque sorte la société en participant à cette œuvre de mémoire, en faisant des travaux, des recherches sur l'homme que fut Charles Caillé avant d'être le soldat tombé au combat. Et cette belle cérémonie les honore, nous oblige. Et je trouve que c'est un très beau symbole pour leur avenir et pour l'avenir de la société. On a vécu un moment essentiel. Vous savez ce que je viens de dire, je vous le répète. Ces jeunes qui sont des jeunes en difficulté, on les a mis dans les couleurs de la République, on leur a donné leur place et ils vont repartir avec les couleurs de la vie, ça va leur redonner un nouvel élan. Des éducateurs de la PJJ qui vont embarquer d'autres jeunes qui leur sont confiés dans ce type d'histoire et de commémoration, peut-être pas ici mais dans d'autres endroits de la région, et c'est un travail qu'on fait nous au niveau national, on a une convention avec l'Office national des anciens combattants et on travaille sur tous ces sujets parce que c'est important de se souvenir de son histoire ou d'appartenir à une histoire pour pouvoir se créer les citoyens de demain.